Bon, c'est une grande histoire. Comme c'est ma première fois de venir faire une compétition ici sur les Jeux Olympiques. Bon, je suis très content de ça et tous les Nigériens même sont contents de moi. Et même les Tunisiens, ils sont contents de moi parce que je viens d'apprendre l'aviron en Tunisie. Et je souhaite que même les Tunisiens, je les encourage et je les félicite parce que c'est à cause d'eux que je suis venu jusqu'à maintenant ici. Et c'est 3 mois seulement. Et vraiment, je n'ai pas beaucoup de techniques, c'est la force seulement que je fais la compétition. Hein, avec le courage. Et ensuite, là-bas, il y a les gens qui m'encouragent, qui m'applaudissent pour que je termine ma course et je le ferai en bonne santé. C'est L-A-V. Non, il y a beaucoup de gens qui m'ont vu en télé, il y a beaucoup de gens qui m'ont vu en internet. Oui, ils m'ont félicité. Même tout de suite, il y a quelqu'un qui vient de m'appeler, de me faire un message. Et je suis très content comme moi. On a une fédération. Et c'est là, tout ça sur la fédération, le président de la fédération nautique de natation. Mais il y a beaucoup de gens qui m'attendent à mon arrivée, qui veulent commencer, et même il y a beaucoup de gens qui veulent commencer l'aviron pour que je lui montre. Bon, je vais lui montrer mais un peu, mais pas toutes les techniques, parce que même moi, je n'ai pas toutes les techniques. Seulement, ils m'ont montré, mais ce n'est pas facile de garder. Dans 3 mois, c'est pas facile de garder toutes les techniques. Okay.